Hey, je te connais toi. J'ai pas le corona. What's up la famille, c'est le Chacal. Ici on est de retour sur la page. Ouais, tu sais déjà, avec une nouvelle vidéo bien fait, vite fait comme ça, juste pour vous faire plaisir. Alors ouais, avant de passer sur le vif du sujet, si t'es nouveau sur la page, tu sais déjà quoi faire. Là déjà, t'es supposé déjà mettre un j'aime, parce que Chacal, on n'a pas le temps ici. We don't plaisanting. Et aussi tu laisses un commentaire pour voilà, supporter la famille, parce que tu sais déjà, ceux qui font partie de la team Chacal connaissent déjà le bail. Bah ouais. Bref, avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien. Tu vas bien? Oui. T'as besoin de quelque chose? T'as besoin des... Je m'en bats les couilles. Non mais sincèrement, là il y a le déconfinement. On revoit nos potes et j'ai réalisé un truc. Je traîne beaucoup avec des Arabes et des Kabyles. Alors avant que ça part en débat dans les commentaires en mode casse-couille, je voulais préciser. Sur le titre de cette vidéo, j'ai mis Arabe. Mais sachez que je sais, on sait tous qu'il y a Arabes et Kabyles. Désolé de tous vous mettre dans le même bateau. Mais voilà quoi. Nous faites pas chier pour ça là. En ce moment, il y a la catégorisation des races. Ouais, les Noirs en ce moment on est en train de faire ci. Ouais, les Arabes et tout. Patati patata. Mais sachez qu'à la fin de la journée, on est tous humains. On est tous une seule personne. Par les Arabes. Ouais, t'es sérieux là de dire des trucs comme ça? Je rigole. Je vous adore tous. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont, voilà, qui sont comme vous. Et je les adore tous un à un. Alors pour vous rendre hommage, je vous fais cette vidéo. Mon meilleur pote est un Arabe. Ou Kabyle. Alors oui, on côtoie tous cette communauté. Mais j'ai réalisé quelque chose. Plus en traînant avec eux, plus j'ai réalisé certains trucs. Et j'arrive toujours pas un peu à capter là. Tu vois, c'est encore en train de jouer au ping-pong dans ma tête. Comme par exemple, là en ce moment, on va parler des clichés. Première chose que j'ai réaliser, c'est que les Arabes, vous vous énervez vite. Mais pourquoi? Les premiers à répondre quand il y a une bagarre, c'est bien eux. Franchement, côté support, jamais vu notre communauté aussi engagée envers eux. Tu peux avoir un problème avec une fourmi, ils vont arriver à 30. Ouais, allô les gars? Ouais, je peux pas trop venir parce que là, j'ai une petite embrouille là, vite fait. Yo. C'est une embrouille avec ma meuf. Ah ouais, quand ça part bagarre, ça plaisante pas. Wesh, ro, c'est quoi le problème là? Alors oui, bien sûr, mesdames et mesdames, vous savez, moi je vis au Québec. Et depuis que je suis arrivé ici, depuis le secondaire, je traîne avec beaucoup, beaucoup d'Arabes. Pas vous mentir, les mecs, vous êtes drôles de ouf. Des fois, je peux être dans un groupe avec des Arabes, je dis rien, mais je vais rire de ouf. Pourquoi? Parce que quand ils parlent en français, ils ont cette envie de toujours vouloir placer un mot dans leur langue, dans la phrase. Puis la phrase, à la fin de la journée, ne veut rien, absolument rien dire. Oh, yo, vous connaissez Mbappé, non? Non, voilà, oh, il est fort, voilà, il est fort. J'ai dit que je me suis brisé. Mais justement, c'est un Algérien. J'aime pas. Et il a le Kora, il n'est qu'à faire le bête direct. J'ai dit que je suis brisé. Je suis brisé. Harira, mais je suis. La chourba déjà, c'est mieux que la Harira. L'Algérie, on a Arabe, on a Mahrez, on a tout mieux que vous. Vous avez quoi? Vous avez claqué, votre frère, il est mieux que votre roi de merde, voilà. Mais les frères, calmez-vous, on parle en français ici. Je comprends pas trop bien les trucs là, hein. À un moment donné, on doit savoir, les mecs. On parle en français ou on parle en... Voilà, l'autre là. Et avant toute chose, ok, j'aimerais qu'on enlève le cliché des noms des Arabes. Ils sont pas très bien en relation avec leurs femmes, qui pètent toutes des guiches, c'est tous des fraudeurs. Qu'on enlève, c'est... Bon, ok, bon. Peut-être côté fraudeur, on va laisser, on va faire passer un peu. Mais c'est tous des bons gars, tous des bonnes personnes, des belles femmes et tout. Mais moi, mes potes à moi, quand ça parle des relations avec leurs femmes, c'est un peu assez spécial, tu vois. Parce que moi, j'ai côtoyé certaines personnes et j'ai remarqué, c'est délicat. Je suis en train de te dire là, ça fait des jours, je suis en train de la calculer, elle me calcule pas. Ah, ça, mais ça va. Là, tu vois, ok. Ah, qu'est-ce que tu veux, Hamid? Qu'est-ce que tu veux, putain? Ah, c'est ton frère. Bruh. Salut, c'est ce que j'ai ça. Il est nerveux, voilà, la cigarette, j'ai arrêté pendant un moment. Ah, mais qu'est-ce que tu veux pendant un moment? Je t'ai dit plus traîner avec Samira, voilà, c'est une grosse putain, c'est fait qu'elle pas. Ah, t'es pas avec. Ah, c'est pas aussi. Le ramadan, ça change des vies, voilà, ça change des vies. Ah, mais elle a trouvé un autre mec! Non, mais Amine, Amine, c'est pire, Amine! Amine! Joël! Joël! Oh my god! Wow! Oh my god! Non mais je dis ça, si j'ai tort, vous me dites ça en commentaire, vite fait on peut débattre, on peut aller plus en profondeur pour qu'on puisse tous trouver une solution à ces genres de situations. Mais à la fin de la journée, moi je dis ce que je pense, hein. Donc les mangeurs de couscous, voilà quoi. Et en passant, le couscous c'est bon de ouf, si quelqu'un en commentaire, ta mère prépare des couscous, hein. Appelez-moi. Et mais attends, le meilleur, est-ce que vous avez déjà vu un Arabe qui veut draguer une meuf? Ouh, oh, oh. C'est tout un spectacle.
Ah bah ouais, chacal. Ouh, oublie. Moi, je suis même pas du niveau, chacal. Moi, je te fais une démarche de chacal, des tantines et tout. Ah, oublie. Hey. Ils chatent n'importe qui. Ah, oublie. Si, ça passe. Si t'as des beaux cheveux, tes cheveux comme PNL, là, fini. C'est mort. Dans leur viseur. Oh, ça fait du bien de se tirer. Yo, qu'est-ce qui se passe avec les meufs, toi? Yo, fraté. Puis la fin du ramadan, walou. Inch'Allah, que Dieu m'envoie une meuf au Maroc. Ouh, yo, regarde la meuf là-bas, chacal. Voilà, ça c'est un signe du bon Dieu. Oui, chacal. Elle est belle, hein? Voilà, parler, t'es capable. Elle est claquée, mes frères. Ouais. Quand t'as faim. C'est vrai. Vas-y, chacal. Oui. Faut que je sorte la grande classe, là. If you have one shot, one opportunity. Oh là, t'es trop bonne as a bitch, je vais manger ta culotte live. Bruh. Oh shit! Yeah, as a bitch! Hey. Wesh, que ça dit, fils de cornichon? Hey, Seigneur Jésus! Oh, chacal con, chacal! Oh my god! Wow! Mais bon, à la fin de la journée, toutes nos communautés dans quelque chose de spécial, quelque chose d'unique. On insulte ceux qu'on aime? Non. On côtoie ceux qu'on aime? Non. On parle de mal de ceux qu'on aime? T'as compris ce que je veux dire? Si toi aussi t'es un cliché des arabes et tout, dis-le en commentaire, on va rire tous ensemble. Je vais voir tous vos commentaires par rapport à ça. Et s'il vous plaît les arabes, ne venez pas détruire ma maison. Et j'ai pas parlé des arabes qui sont terroristes. Mais voilà, ça va être dans une autre vidéo. Comme j'ai dit, des clichés c'est des clichés, hein. Tout ça, ça peut aller dans n'importe quelle race. Même chez nous, chez les noirs, on a des problèmes avec nos femmes. Voilà, on a tous nos problèmes. À la fin de la journée, on s'en bat les couilles. Bref, je vous kiffe la famille, n'oubliez pas de partager la vidéo si t'as aimé. Ouais, c'est bon, si t'as pas aimé, tu sais déjà quoi faire, chacal. Tu t'es cassé, tu nini. Tu vas là, mamie. Thank you.